monde. Aujourd'hui, on a Kevin Emos pour un petit interview. Comment ça, je pense un peu tranquillement. Comment ça va, Kevin? Bah, ça va bien. Je suis content d'être ici à Courchevel pour pouvoir patiner du coup après le confinement. Ton confinement s'est passé comment pour toi? C'était vachement long parce que du coup la saison elle s'est finie vraiment plus tôt, les championnats du monde annulés, ouais. Beaucoup de galas annulés, donc c'est un petit peu dur ce confinement mentalement. Ouais. Et finalement c'est passé plutôt vite sur la fin quand on a appris qu'on pouvait monter à Courchevel pour patiner, donc ouais. C'est plutôt bien passé. Vu que ton confinement au début il était à l'États-Unis, vous avez pas mal amusé avec Maë, donc comment c'était de faire un peu de danse? Le début du confinement, on savait pas trop quoi faire et comment faire et tout ce qui allait se passer. Du coup, avec Maë, on continue à faire du hors-glace avec de la prépa physique. On continue quand même à bouger un peu. Et en fait, finalement, on avait beaucoup de temps dans nos journées à tuer. Donc, on s'est dit, oh, pourquoi pas faire... Parce que Maë a ouvert sa chaîne YouTube. Ouais, j'ai vu. Et elle a dit, hein, il lui fallait du contenu pour sa chaîne, et du coup elle a dit pourquoi pas reprendre des programmes de certains patineurs, et finalement on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et on avait plein d'idées, mais je suis reparti en France, donc on les fera pour... T'as pas eu des soucis quand t'es rentré en France, parce que les États-Unis, la France, avec les confinements... C'était compliqué le temps de trouver un vol, et parce qu'en fait on savait pas comment ça allait se passer avec les pays, s'ils fermaient vraiment les frontières ou pas, donc au bout d'un moment je me suis dit que c'était important de rentrer en France... pour être avec ma famille, mes proches. En plus, j'ai trouvé ça plus facile que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit très dur d'être en altitude à Courchevel. Parce que du coup, avec ces deux mois, j'avais beau avoir du hors-glace. Ouais. Ça me faisait qu'une heure de sport par jour. Donc, il m'en manque encore 20 autres sur glace. Donc, je me suis dit, la reprise va être un peu compliquée avec ce manque de glace. Mais finalement, la première semaine était très dure de se remettre dans ses patins. Pieds, mal aux jambes, très fatigué. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé ça plus simple que ce que je pensais. Ouais. Peut-être parce que j'avais vraiment envie de patiner après ces deux mois, donc j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que... Et l'ambiance, que t'es un peu loin de ton centre d'entraînement Du coup, c'est différent. Là, je vais prendre, même si c'est pas un vrai stage ici, je prends plus ça comme un stage. Ça m'a fait plaisir parce que du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs personnes de l'équipe de France. Donc il y avait des pairs, des danseurs, des solos, donc on était une petite équipe de 15 et on n'a pas l'habitude de rester autant de temps ensemble, on se voit qu'en compétition, donc ça m'a fait vachement plaisir de voir les autres. Et puis la reprise tous ensemble, c'était vachement bien parce qu'on était tous un peu perdus, tristes, le confinement nous a un peu chamboulés. Oui, un peu perdus. Donc le retour sur glace tous ensemble, c'était bien parce qu'on a pu se soutenir, on s'est tous encouragés, c'était très bien. Je voudrais parler de ton dernière saison. Tu as surgi dans le top mondial du patinage artistique. C'est à quoi je voudrais tout d'abord te féliciter. Merci. Donc, dis-moi ton ressenti. Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis de faire cet énorme progrès? Et donne-nous quelques life hacks. Okay. Comment devenir au top? Oula, alors moi je suis pas au top. Les bons conseils. Oh, quand même. Mon ressenti de la saison passée, c'est comme je l'avais dit sur la saison encore avant, j'étais plus là pour découvrir comment ça se passait une saison en senior avec des grands prix, le championnat d'Europe, le championnat du monde, vraiment une vraie saison senior. Là, c'était de la découverte et l'an dernier, c'était plus de montrer que j'existais. Et je pense que checkmark sur cet objectif parce que j'ai montré aux gens que je pouvais être là sur pas mal de compétitions. Et ça a été un début très stressant parce que du coup je me fixais beaucoup d'objectifs en me disant il faut absolument que j'arrive et tout. Et finalement ça s'est plutôt bien passé, les entraînements on avait vraiment tout bien structuré, que ce soit techniquement, physiquement, on avait vraiment une bonne prépa où je savais ce que je devais faire. Donc quand je suis arrivé sur mes premières compétitions, c'était vraiment simple. Dans le sens, je savais ce que je devais faire et je devais faire les choses facilement. C'est-à-dire, je ne devais pas arriver avec le stress en me disant il faut absolument que je fasse cet objectif-là, cet objectif-là. J'étais vraiment dans l'optique de
m'amuser l'an dernier, de vraiment de montrer que j'existais. Ouais. Et finalement, bah, les deux, le premier Grand Prix se passe très bien, le deuxième aussi, et au fur et à mesure des résultats, bah, j'apprends que je peux aller en finale. Et ça, ouais, ça c'était vraiment une surprise, parce que c'était pas du tout un objectif, c'était pas à quoi je m'attendais du tout de la saison. Du coup, bah, j'ai préparé la finale comme si c'était un cadeau tombé du ciel, même si je suis un peu allé la chercher cette finale. Donc quand je suis arrivé à la finale, j'avais pas de stress parce que je me suis dit que c'est ma première vraie saison senior où je fais deux grands prix et une finale. Ouais. Et je me suis dit que bah, pour une vraie première année senior, on s'attend pas à être en finale. Donc vraiment aucun stress. J'y suis allé, j'ai patiné comme je pouvais, j'ai donné le meilleur de moi-même parce que c'était vraiment de l'amusement. J'étais ici sans objectif, c'était que du bonus. Donc de patiner tellement libre, et bah, je pense que ça m'a beaucoup aidé et j'ai pris beaucoup de plaisir. Cool. Et en parlant de finale de Grand Prix, tu as eu des problèmes avec la musique de ton short. This is Kevin Amos of France. Question of you by Brits. Ah, fantastic support. That's more like it. Oh, this is awful. Qu'est-ce que tu as eu dans ta tête à ce moment-là quand t'as eu cette... Bah déjà, premièrement, ça fait plaisir parce que ce soit à Turin ou dans les autres villes ou dans d'autres pays, en fait, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de public vraiment sain pour nous, qui encourage vraiment tout le monde, qui est vraiment présent pour tout le monde, qui nous suit toute l'année sur toutes les compétitions. Et je trouve que sans ces personnes, on serait vraiment tout seul sur glace. Et, ouais, ça va être donc vraiment, je me suis vraiment senti soutenu toute la saison. Et surtout, ouais, à la finale, c'était vraiment, vraiment chouette. Et à ce moment-là, quand la musique n'est pas partie, je me doutais, vraiment, j'ai un instinct qui m'a dit, il y a un truc qui ne va pas bien se passer. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je me suis mis en position, vraiment, le début du programme. Et là, la musique ne part pas. Et mon regard se fixe direct sur la personne qui lance la musique. J'étais très énervé parce que c'était ma finale et c'était mon moment. C'était mon endroit. C'était, je suis content d'être là. Et en fait, c'est comme si quelqu'un venait te gâcher ce moment-là d'un coup. Sérieusement? Et après, il se passe mille choses dans ta tête à ce moment-là. Mais c'est vraiment en 10 secondes, il s'en passe tellement des choses. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je retourne voir mes coachs? Est-ce que je vais voir les juges pour leur dire c'est pas la bonne musique? Est-ce que j'attends, je bouge pas, ils relancent la musique? Entre-temps, le public avait commencé à applaudir pour encourager. Le monsieur de la musique a relancé ma musique, j'ai pas entendu, donc j'étais vachement perdu, j'étais stressé, j'étais perdu. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ne bouge pas. Parce que si tu vas parler à quelqu'un, que ce soit tes coachs ou les juges, tu vas perdre ta concentration et c'est fini. Donc j'ai dit, je ne bouge pas et je n'ai pas bougé tant que la musique redémarre. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, c'est ta première finale, t'es ici pour du bonus. Si tu fais 3 chutes après ce qui vient de se passer, tu t'en fous. Je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fous, allez, on y va. Et j'étais très stressé pour les 10 premières secondes de programme. Et dès que j'ai fait mon premier élément nickel, je me suis dit, bon, c'est bon. La première partie était vraiment, comme tu as dit, remarquable et pétillante. Après, on s'est vu aux élites où tu es venu avec un de tes entraîneurs américains. Une heure après, c'était championnat d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat d'Europe? Je vais juste revenir sur les élites. Du coup, en fait, en revenant de la finale, j'avais comme cette petite bulle de confort où j'avais fait vraiment un début de saison très bien. Et j'avais vraiment pris beaucoup de confiance en moi et ça m'a fait plaisir. Même si les élites, j'étais très stressé parce que je me dis, après la finale, je peux pas faire un élite nul. J'ai oublié de me tenir vraiment à fond. Donc j'avais quand même un petit peu peur, mais c'était vraiment moins stressant.
Et non, j'avais beaucoup pris de confiance en moi. Ça faisait, c'est pas de la confiance où oui, j'ai confiance en moi. C'était vraiment quelque chose de très rassurant pour moi, où je me sentais bien dans mes baskets, bien dans mes patins, que même si je ratais, j'avais moins de pression sur mes épaules. J'étais moins, je me sentais moins faible à la pression. Et ensuite, au championnat d'Europe, je pense que j'étais pas stressé, vraiment. Je suis arrivé sur glace, j'étais très confiant, comme toutes les autres compétitions. Je me suis dit, tu peux faire des erreurs, tu peux ne pas en faire. Tu fais ce que tu as à faire, mais inconsciemment, je me suis aussi dit qu'il faut en faire encore mieux que la finale. Je voulais pas viser une place précise aux Europes. Je voulais juste montrer que, encore une fois, je pouvais augmenter de niveau et faire encore un truc encore plus propre. Et je pense que j'ai beaucoup stressé sans le savoir, parce que beaucoup m'ont dit « Oui, on t'attend aux Europes, le podium peut être pour toi. » Donc ça a été très… Inconsciemment, j'écoutais pas ces gens. Je me suis dit… Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai très très peur, donc j'ai pas voulu écouter tous ces gens. Et je pense que mon inconscient me disait oui, il y a le podium qui peut être à la clé si tu fais propre, si tu patines bien. Et j'ai essayé de pas y penser, mais je pense que ça m'a rattrapé au dernier moment et j'ai beaucoup stressé. Et je me suis dit, il faut trop faire bien. Et en essayant de trop faire bien, bah, ça marche pas. Ouais. Alors, après cet événement, j'imagine que tu as eu un fort impact sur toi, peut-être, sur ta mentalité, sur ta condition. Ouais. Ça m'a beaucoup changé, parce que ça m'a apporté une leçon. Parce que j'ai eu une leçon en début de saison, quand tout se passe bien, on prend de la confiance, on augmente. Et là, j'ai eu une autre leçon que bah, on peut être là et d'un coup tomber. Donc, bah, fallait vraiment remonter la pente et pas rester sur un échec dans ma tête. Et je me suis dit, bah, on va pas prendre ça comme un échec, on va prendre ça comme une leçon. Et j'ai été invité à Art on Ice après, pour le mois de février, donc vraiment une semaine et demie après. Et là, ça a été très dur, parce que je me suis dit, oh, je viens de faire en Europe super nul, super mauvais, et maintenant les gens ils m'attendent sur un spectacle où il va y avoir beaucoup de monde. Mais je pense que ça m'a fait du bien, parce que du coup ça m'a remis sur mes patins. Et c'était pas dans des conditions de stress de compétition où j'avais des objectifs de vouloir faire bien, c'est vraiment le plaisir de patiner. Et ça m'a fait du bien, parce que du coup dans ma tête après l'Europe, je me suis dit, ça arrive, j'ai fait un bon début de saison, c'est pas un Europe qui va gâcher ma saison. Parce oui, c'est que sûr. Je pense que j'ai fait une belle saison, j'avais progressé techniquement, mentalement, beaucoup de choses. Donc je me suis dit, ça arrive. Et Art on Ice juste après m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup je suis remonté sur glace, et en fait là j'ai pris le plaisir de patiner sans pression. Et du coup après Art on Ice, et bah, je suis retourné à l'entraînement vraiment super bien, comme avant la finale en fait. Et je me suis dit, bon bah on prépare ces championnats du monde pour le plaisir du patinage et on donne le meilleur de nous-mêmes. Par contre, championnat du monde était annulé. Oui, ouais. Ta réaction, on a compris, voilà. Donc c'est ta première réaction. Un peu déçu, parce que du coup ça me fait finir ma saison sportive sur un championnat d'Europe qui est pas satisfaisant du coup. Mais après je me dis que c'est mieux de finir la saison comme ça et peut-être de retourner l'an prochain pour essayer de surprendre les gens en revenant plus fort que l'an dernier. Bah c'est très bien. Maintenant on finit avec le passé et on passe dans l'avenir. Tu as ton style sur glace, tu as beaucoup de tricks, des sauts acrobatiques et tout dans tes programmes. Donc comment tu trouves des idées? Travailles-tu avec des acrobates ou gymnastes? J'ai fait un peu de gym en parallèle quand j'avais entre 15 et 19 ans, en duo avec une fille. Et du coup on faisait des trucs pas mal sympas. Et du coup j'ai toujours été ouvert sur les autres sports, que ce soit la danse ou sports acrobatiques, que ce soit la gym ou même théâtre, des spectacles, le cirque. J'ai vraiment toujours été très ouvert et curieux, et j'aime beaucoup tous ces mondes artistiques. Et du coup, vu que je pense que ma curiosité, des fois je veux apporter cette curiosité en moi et faire quelque chose de curieux pour les autres. Ouais. Et non, et j'ai aussi la chance d'avoir John et Sylvia, mes coachs, qui sont aussi très ouverts d'esprit comme ça et qui s'intéressent beaucoup à plus que le patinage artistique. Ouais, ouais. J'ai vu quelques parties de tes nouveaux programmes. Tout ce que je peux dire en toute honnêteté, c'est que waouh. Qui a choisi tes musiques, des idées?
tu voudras peut-être de nous annoncer tes nouveaux, oh, encore une fois, de nous, tes nouveaux programmes. Bon, ok. Je sais pas si je vais les annoncer parce que moi j'aime bien garder le petit effet de surprise et puis moi aussi je ça comprends, me. Je comprends. Ça me met en adrénaline plus on avance dans la saison en disant oh la compète à la rime. C'est très 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 cool. Déjà, tu pars de rien, tu dois trouver un thème, une musique, une idée. Ensuite, il faut l'adapter sur glace, modifier, trouver de la choré, des idées. Il faut vraiment créer quelque chose. C'est vraiment une création entière. Et du coup, d'arriver et de garder ce petit secret, moi, je trouve ça tellement plaisant d'arriver en compète. Ouais, et ensuite, d'attendre les retours des gens. Parce que si les gens connaissent la musique, la choré avant, il y a plus ce petit plaisir du retour après la compétition, après avoir bossé pendant 4 mois pour préparer tout ça. Mais ce que je veux dire, qui par exemple cherche d'habitude la musique, comment tu t'inspires? Alors, c'est tes entraîneurs, c'est tes chorégraphes? Je prends beaucoup de conseils de mes coachs parce que je pense que John et Sylvia ont fait beaucoup de patins, ils sont aussi très ouverts d'esprit sur les autres sports et tout ce qui est artistique, donc je peux entièrement leur faire confiance là-dessus, donc pour leur demander si je peux prendre cette musique, si on peut faire ça, vraiment on collabore tous les trois ensemble. Mais au niveau musique, je sais que j'aime beaucoup choisir mes musiques parce que vu que c'est moi qui patine et qui est au milieu de la glace, c'est plus facile si ça vient de moi que si ça vient de mes coachs. Les coachs, ils vont être là pour m'aiguiller, ils vont me donner des pistes, des idées. T'aimerais pas faire ça, ça, ça et ça. Et moi, dans ces idées-là, je dis ah, bah en fait, j'aime beaucoup ça. Et à partir de ce petit ça, je peux commencer à trouver des musiques. Et là, cette année, j'ai vraiment trouvé au hasard mes musiques de programme. Et je me suis dit, ah, ça me plaît beaucoup, il y a peut-être quelque chose à développer là-dessus. J'en ai parlé à mes coachs, ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup et que ça me correspond bien comme thème. Ouais, je suis d'accord. Du coup, j'ai dit, bon, bah ça me plaît, j'ai envie de développer. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à créer quelque chose de bien si ça vient du patinage. Le patinage artistique, c'est pas du spectacle. Parce qu'on n'est pas là pour faire du spectacle, on est vraiment un sport. Donc il faut vraiment aller chercher ce côté technique et comment dire. Bah de s'entraîner pour un sport vraiment, comme ça peut être le ski, le foot ou n'importe quel autre sport dans le monde, il faut s'entraîner techniquement. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on a la chance d'être un sport artistique. Et comme un jour on m'a dit, tu sais Kevin, c'est pas du patinage athlétique, c'est du patinage artistique, donc va falloir balancer entre technique et artistique. Et moi, vu que mon penchant est vachement beaucoup pour l'artistique, j'ai beaucoup bossé en technique, mais c'est le côté que j'aime beaucoup dans ce sport parce que le seul endroit où je me sens vraiment bien et moi-même, c'est au milieu de la glace parce que je sais que je peux faire ce que je veux sans vraiment être jugé, même s'il y a des juges. Je trouve que j'ai la chance par rapport à beaucoup de gens dans le monde de pouvoir faire ce que j'aime et de pouvoir en profiter, donc je pense que je dois prendre cette chance de pouvoir m'exprimer sur glace tant que je l'ai. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le sport artistique, parce qu'on peut s'exprimer d'une façon totalement différente. Maintenant, une question intéressante. Tes objectifs pour la saison prochaine? Les objectifs. Je me suis fixé quelques objectifs. Donc bah, déjà, de faire, essayer de faire comme l'an dernier pour les Grands Prix. Même si l'an dernier, la finale, c'était une surprise, cette année, j'aimerais vraiment m'assurer une nouvelle place en finale. J'aimerais bien cette fois-ci passer le cut au championnat d'Europe. Moi, ce que je vise, c'est le top 3 parce que je suis là pour ça. Et ensuite, viser un top 6 au championnat du monde. Ensuite, ça sera vraiment plus des termes techniques avec plus d'éléments techniques dans le programme, un certain nombre de points. Oui. Essayer de battre mon record personnel encore une fois, voire plusieurs fois si je le peux. Oui. Donc, c'est comme l'an dernier, mais essayer de faire mieux. Je vais te poser des questions faciles, courtes. Et même pas provocante, malheureusement. Même pas. Même pas. Attends, non. C'est facile. Thé, coffee, cacao. Café. Plage, montagne. Plage. Sucré, salé. Salé. Film, série, livre. Série. Favorite movie. J'en ai pas. Ta programme préféré. Prince de l'an dernier. Élément préféré. La step séquence. Je vais noter. Saute préféré. Saute préféré, je dirais Axel. Pirouette. Combien? Meilleur endroit pour les vacances. Avec ses. N'importe où, mais avec ses amis. Si tu ne faisais pas du patinage, tu ferais quoi? Je pense que j'aurais fait des études d'architecture. Batman ou Spider-Man? Spider-Man. Croissant ou pain au chocolat? Croissant. Chien ou chat? Chien. Quel super pouvoir tu voudrais avoir? Je voudrais en avoir 3. Ah, tu veux 3 toi? Ouais, bah j'en veux 3.
Me téléporter, être invisible. Bah oui. Et lire dans les pensées. Ton parfum. Chrome de Hazaro. Continue la phrase. J'aime. Danser. Je n'aime pas quand. Je sais pas ce que j'aime pas. Ah, je sais, je n'aime pas avoir des obligations. Des obligations. J'aime bien être freedom. Freedom! Life freedom. Pas 3 secondes pour nous impressionner. En 3 secondes. Oh, vas-y! Yeah! Merci beaucoup, Kevin. De rien, beaucoup, Adelina. Ça fait un grand plaisir de t'avoir. Donc, bon courage à toi en prochaine saison. Et pas gros bisous. Chance. Ciao! Merci.